seigneur des armes. Pas le temps d'aller pisser. Oh, toi, seigneur des tombeaux. Moi, j'y vais, hein. Toi, puissant de la même tête. Oh, puissant de ce que tu veux, coco, mais je vais pisser, moi. Ne laisse pas ses membres sans mouvement. Ne les laisse pas mourir. Ne les laisse pas souffrir de corruption. Que ses membres s'assouplissent et que forts soient ses muscles. Remplis au moins là ce cœur de tendresse. Puisse-t-elle fouler encore la terre de Ken dans toute sa force. C'est le handball, Jean-Louis. Tu m'envoies la sauce, Jean-Louis, là. C'est pas allemand non plus. C'est France-Suède, Jean-Louis. C'est pas la formule, Jean-Louis. Pas l'habitude, hein, du handball pour la première fois à Sportaz. C'est trompé, les gars. Mais bon, vu les scores pendant le championnat du monde, 22, 23, tout ça, on aura plus l'occasion de crier goal là, go rugby. Regardez ce qui vient de passer Alain Prost. Oh, petit con, moi j'ai un déménagement à faire. C'est ça? Ah, c'est ce bruit là. Arrête. Il n'y a pas eu beaucoup d'essais, mais. Finale de championnat du monde de handball. Handball donc pour la première fois sur les 94 de la bande FM. L'assistant aux essais français. Est-ce qu'on voit l'entraîneur de l'équipe de France qui est comme Roland Dumas, Constantini tout. Public, on l'entend derrière. Je sais pas sur quel manicourt on est. Oh, regarde, il y a Mike Tyson qui joue. C'est un peu n'importe quoi, hein. C'est un peu n'importe quoi, les amis. Je me demande ce qu'on fout ici, hein. Oui, c'est le championnat du monde, mais madame, quand même. Dégarez-vous! Allez, c'est parti pour cette finale de championnat du monde. Bon. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Eh ben, bonsoir mademoiselle, c'est incroyable. Ils font pas un coup d'envoi. Il n'y a pas eu un coup de sifflet et tout. Il n'y a rien. Eh ben. Ah, mais c'est quoi, du handball pour sourds? Bon, ben c'est parti alors, visiblement, d'après Jacques, il faut faire ça, Jacques. Voilà, il y a une zone. Ça voilà, m'est déjà arrêté. Hein. On va longtemps parler de la zone, là, toute bleue, il ne faut surtout pas y mettre le pied, tout ça, il faut que ça reste froide, propre. Parce qu'elle est froide. Non, c'est parce qu'elle est froide, c'est la zone. Piscine. Il y a la piscine devant chaque but. Voilà. Et par exemple, si tu mets le pied dans la piscine, ben tu coules. L'équipe de France est en bleu, l'équipe de Suède est en blond.
Et nous, on n'a pas les couleurs. Montée française, superbe montée avec Galtouz qui perd la balle. Ah, non. Benazidane, et ce sont les Écossais qui repartent. Non, je crois que ce sont les Suédois. Ah, mais ils ont fait connerie aussi. Je pense qu'il y a une espèce, comme une espèce de marché, je crois. On fait un marché bio. Est-ce que Jackie est... Il a trouvé le gymnase. Il a au gymnase de Bercy. Allez les gosses. Balle française, d'après ce que nous dit l'image. Hein. Jean-Louis, c'est encore toi là? C'est toujours Jean-Louis qui cherche un son et on perd la balle du côté tricolore. Les Suédois la reprennent, mais c'est la France confisquée. Et là, c'est le premier goal. Non. Je crois que c'est Anquetil. Non, c'est Golich. Il s'appelle comme ça. C'est Golich. Yes, goal. Lucarne, on peut appeler ça une lucarne. Oh, 1-0 pour l'équipe de France dans cette finale de championnat du monde. Mais tu sais que ça dure 4 heures ce truc là? 4 heures, mais non, c'est pas le Super Bowl. Mais non, c'est pas du foot américain. C'est 2 fois 30 minutes, une petite interruption au milieu, tranquille, peinard, donc ça devrait pas poser de problème. On vous lâchera l'antenne aux alentours de 18h30 pour retrouver l'émission E-Vibes. Enfin, disons celle qui remplace le gars qui est parti en vacances, hein, parce qu'il part tous les week-ends en fait en vacances et c'est une fausse émission quoi. Et là, c'est pas Jacques qui vous parle, c'est le directeur d'antenne. Ah bon? Allons, Suédois, ils sont menés 1-0, ils sont champions du monde en titre tout de même, ça je le sais, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils sont payés par Sirvin, qui sponsorise l'équipe. Hein, c'est ça, Jacques? Excusez-moi. I need somebody elf. Ah oui, elf, I need somebody elf, oui. C'est vrai que il y aura du boulot pour toute la justice française, qui est un peu dépassée, hein, qui en ce moment a du boulot de boulot. Ouais, et joli arrêt. Oui, mais il y a eu faute, tu vois, puis on demande même le serpillière. On ne faut surtout pas, effectivement, toucher. C'est vrai que les arbitres ont beaucoup de poids et d'importance dans, dans un match de hand. T'es sûr que tu veux rester jusqu'à la fin, hein? Moi, j'ai demandé avant. Allez, ça marche. Les Suédois ont la balle avec Gustave Françoisson. Pour Tirasson. Patrickson. Ah. Son Tirasson maintenant. Demorson, oh, ils faisaient des combinations, il paraît que c'est la plus belle équipe à avoir joué. Oui. Ma technique. Oui, j'ai vu ça sur Radio France. Pouvourville. Attention. Alors là, j'ai un problème avec la vitesse du match, les mecs. Hein. Vous avez entendu? Non. Alors, si, vous avez pas entendu? Parti. Eh oui. Ah là là, ça va pas, j'ai la vitesse du match, je peux péter le chronomètre. Ils perdent la balle! Les Suédois perdent la balle! Les Français! On part avec Benazidane, pelouse! Maintenant, qui est magnifique! Dugarry! Wiltord! Wiltord, Henri qui donne la balle! Mais intervention immédiate de monsieur l'arbitre dont on n'a pas dit le nom. Non. Monsieur Masque. Ça doit être ça, ou monsieur Maillot, assisté de monsieur Maillot. Monsieur Épilation. Monsieur Demi-Jambe, monsieur Maillot et monsieur Lèvre. Parce qu'il y a toujours un partout entre ces deux équipes, hein. Ouais, même si c'est écrit en petit, un partout, c'est sûr. Un petit score, ouais. Ou parade du portier suédois, mais récupération de ballon par les Français, magnifique. Allez, Jacques, il faut y aller. Alfred Sirvin qui maintient la cassette. Il manque Sportage, j'ai vu audio, vidéo, là, c'était pour nous, c'était pub. De Viejeancourt qui frappe et qui marque. Ah, oui. Tir de Viejeancourt, magnifique. La garce. Saint-Lazare, la garce Saint-Lazare. Peut-être avec un ralenti de Jean-Louis tout à fait là-haut, ça a été dur à monter, mais joli on y frappe. Est. Ouais. Schlack. Vas-y Patrick. Et il y a combien là les mecs, hein? Je vois 2-1, c'est 2-1, 2-0, 2-0, il y a 2-0 pour la France. Ah bon, putain de ta mère. Pourquoi il y a 1-1 là-haut? Non, mais ils ont des problèmes. Ah, il n'y a pas le même score en haut à gauche et au centre. Tu me diras, c'est comme en politique, ils sont jamais d'accord. C'est pas dit, mais nous on voit pas très bien le score en haut. Donc là, Jacques, arrêtez les enfants. Allez jouer dans la chambre. Gros plan de Jean-Loup, ça on aime bien parce que là on peut voir de plus près quand même les joueurs, c'est vrai. Pas du feu? Si, mais pour moi. Le problème c'est que ça va vite, là tu loupes, on loupe, là tu fais semblant d'aller chercher un truc, tu loupes 3 buts. Contré par les tricolores, c'est un ballon récupéré par les Suédois. Ça circule bien et ça tire, le oh, il y a possibilité, pas s'affoler. Stop, il mène 2-0. Ouais, ça c'est tout bon d'ailleurs, il va prendre 2 minutes lui, ou 2 buts. Deux calvas pour le joueur suédois. Allez, tu vas boire un coup et tu reviens quand t'es frais. Arrêtez de faire tout tomber monsieur, parce que ça commence à me galer. Toute
sifflet magistral. T'as du feu alors. Hein. Oui, je te le prête, mais il faut que tu me le rendes. Ouais, je te le rends. Et t'as vu, dès que je bouge, ça pète. Tiens, je te le rends. Toujours sur les 94 de la bande FM, nous sommes passés du rugby au handball. Première fois, on commente du handball. Et c'est parti, le frappe de loin, goal, oh, 3-0, 1-2, 3-0, bon, dis quoi. Oh là là, Jacques, ils vont pas nous faire le coup de devenir champion du monde. Ah bah si, ils l'ont déjà été au niveau olympique. Tu déconnes. Arrêtez. Ah ouais, quand même, c'est quand même. Comme je le sache, la première équipe vraiment au collectif en France a fait quelque chose au niveau mondial, hein. 3-0 pour l'équipe de France face au champion du monde en titre, s'il vous plaît, mon gars. Ah. Ah oui. Ah oui. Avec Bourafson. Non, c'est Bourassol le quartier. Là, tu fais chier. Ah, Jackie, vous nous appelez ? Oui. Toujours bien sûr ici au Palais Omnisport de Percy, où je me fais un solo. Ouais. Waouh. Écoutez-moi ça. Une fois de plus, perte de balle des Suédois, il faut pas, non, ils peuvent gagner du temps tranquille. Non, si ils sont chauds, le goal, oui, goal, beau. Oui, goal. Wow. Toujours Patrick. 4-0. Oh, la Suède, laminée. Oh là, je pense qu'ils vont se faire du souci tout de même. Mais si on peut regarder au ralenti, regarde, il a le pied qui... Le pied est par terre avant qu'il ait lâché la balle. Applaudit lui, chaque fois qu'il en prend un, il s'applaudit. Ah bah on se motive comme on peut dans ce genre de match où la tête joue beaucoup autant que la main. Issu des doigts et, et du reste. Hein. Et du dance floor les gars quoi. Hein ? Allez, un petit dance floor. Allez. On y va madame. Finale des championnats du monde. La France mène 4-0. C'est du hand. Du handball. Ouais. Bouge un peu. France-Suède. La, 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 la. Et la France mène 4-0. Jamais, non jamais, personne n'aurait pu cela imaginer. Les mille et une. Arrêtez. Sportaz. C'est un coup franc, enfin, plutôt, hein, oui, comme on dit. Et tentative suédoise sur la droite, on est au 9 mètres. Là, il a la possibilité, il ne met pas. Ah, oh, non. Il y a pénal. Peut-être, de quoi? Il va y avoir pénal. Oh. Oui, lui, pour un suédois, il est plutôt... Il est sacrément solide, le bougre. Ouf. Tentative de petit geste, tout de même. De qui? De... Je le connais pas, lui. C'est ça, pénal. T'es pas avec lui en classe? T'es prêt, Coco? Regarde ça, t'es prêt? Boum! C'est rentré. First. My first but pour nos amis suédois, tout de même, quand ce sont nos amis. Alors que pour d'autres, c'est plutôt myfirst-tv.com. Oula, il y a autant de surprises pour vous comme pour nous. France à la balle, la France mène, je vous le rappelle, 4-1 maintenant, 7 minutes de jeu, la mi-temps dure 30 minutes. Et 4-1, bon, 80, bon. 94. Ah. Ah, laissez-moi finir la phrase. FM. Alors, on sait avec Jean-François qui cherche David, ça, David cherche René qui bombarde sa mère. Ah bah oui, sa grand-mère, parce que là, c'est rentré, je veux dire, tout droit. Yes. Oh là, il est à 50 mètres et il te met quand même le shoot monstrueux. D'ailleurs, l'autre il va pas beaucoup avec sa gueule enflée là. Effectivement. Valentine, aujourd'hui, ça va. Bon plan, la défense handicapée, vous dites. Côté suédois, oui. Ouais. Il y a un joueur blessé, à mon avis, il aura moins tendance quand même à aller au contact et surtout lors des tirs. Donc, 5-1, je retiens 2. Ben ça fait, on est champion du monde à la minute où on parle. Oui, on est champion du monde. Enfin, on est en France, faut le préciser. Champion du monde. Hop là, 2 et
5-2, oui, bon, faut pas non plus penser qu'on va mettre voilà. 40-0 à la Suède. Hein. Déjà, s'ils gagnent, ce sera monstrueux. Non, on avait annoncé quoi, 22-8? Tu as dit ça, toi? Mais on m'a fait le briquet, on m'a fait ça. Où ça? On nous appelle pas, la ligne est occupée, j'ai l'impression, par les Américains. Je vous rappelle donc que nous avons changé de sport, je le regrette. C'est parti sur la gauche, petite balle derrière, droite, avec Anquetil qui grimpe magnifiquement et frappe, bel arrêt. Ouais, et qui est redescendu donc Anquetil après avoir grimpé le col du tir. Comme tu me disais l'autre jour, c'était la question que se posait Poulidor quand tu m'as dit manque-t-il. Bien sûr, oui. Ah, tu m'as fait rire ce soir-là, qu'est-ce que c'est, mais... À fond, avec un tir de Patrick. Détournado, magnifique pirouette, c'est du hip-hop maintenant sur le... Yes, ça joue, France à la balle, la France mène et fait tourner le chronomètre, il y a 5-2. Ça va, 5-2, hein, c'est ça? Oui, 5-2, ça confirme même si je n'y connais pas grand-chose au handball. Ça c'est de la patate à droite, hein. C'est étonnant, lui qui n'a rien branlé pendant tout le tournoi. C'est Fernandez. Oui, c'est Fernandez, regarde ça, se frappe. Fernandez, lui. Magnifiquement fait. Et donc la France reprend son écart de 6 points, non, de 4 avec 6 à 2. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir handball. Eh oui, finale de championnat du monde, beau sporteuse, numéro 395 Terre. On vous expliquera qu'on trafique pour vous préparer une 400e. Ah ça c'est, vous l'avez pas fait exprès, mais alors c'était dans le timing, hein. Putain, au millième de seconde il l'a dit là. Et alors donc ça tourne et c'est parti. Et c'est quoi, c'est 6-3? 6-3, oui. Ouais. Hein, il faut suédois. Pas trop. Hein. But suédois, 6-3. Le sac 6-titres. C'est reparti sur la droite avec Anquetil qui cherche Faustokoppi qui va maintenant Eddy Merckx qui était scellé, qui sort du peloton. Et le frappe encore, et le goal encore. Mais il y a que lui qui met le goal. Oh, une attaque aujourd'hui qui a retrouvé son bras. Oh, il y a que lui qui met le goal. Non, pas que lui, il y a Patrick. Il en a mis 4 déjà. Ouais, bon, il y a 7, il en a mis 4. Eh mais, sont 2. Il y a Patrick. T'as fini avec Patrick. C'est pas Patrick, c'est Daniel Casal. Non, mais alors. Ah bon? Eh bien, révisez vos classiques, elle est la vieille. C'est la première fois que je découvre. Hein. I love. Allez, la Suède à l'attaque dans la zone. Ouais. Blam! Paul McCartney tranquille. Bon. Il était scellé et il marche. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a là? Zverige? Oui. C'est la question qu'il se pose. Où Zverige? Non, mais oui, envoie le pognon, Coco. Envoie le pognon. Ah, on s'est fait doubler apparemment. Attention là. Nous sommes en hauteur. Jean-Louis, je vais vomir. Redescends-moi, Jean-Louis, j'ai peur. Jean-Louis, s'il te plaît. Déjà, il bouge plus la caméra, c'est bien. Pas mieux. C'est beau, mais quand même. La France mène 7-3. Il voit rien sur ce putain de télé. 7-3, je confirme. Ça doit être ça, 7-3. Hein. Il faut aller. Non, ouais. 7-4. Aïe. 7-4. Aïe. Puisqu'ils ont la balle et le voilà. Non, c'est une touche. Ouais, il faut pas se laisser abuser, les gars. Hein. Il faut suivre le score. Jackie, vous suivez. Il n'y a pas de vitesse de match. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce genre de sport comme dans le handball? Oui. Il y a une fois que le handball marche. Oh oui, le contre. Oh là là. What says the referee? Monsieur Masque qui fait la gueule. C'est assez compliqué tout de même, mais ça va très vite. Hein. Au moins, il y a du but. C'est pas, il faut reconnaître déjà qu'effectivement, il y a du but. Il y a de l'engagement physique, de la technique. D'accord. Et toi, il y a quoi, là? Il y a toujours 7-4 pour les petits Français, avec la balle pour les Suédois, par tiens, contre. Tiens, je viens te taper, j'arrive. Ah, à toi, alors. Aïe, c'est vrai que là c'est fit. Après, il faudra pas s'étonner qu'il ne marche que d'un côté. Attention avec un beau tir là, un beau tir suédois de Bourasson. Non, il ne marche pas, je suis désolé, monsieur. Voilà, petit ralenti de Jean-Louis. Il y aura beaucoup de ralentis, hein, c'est normal. C'est plus court, c'est plus dense, c'est handball. Je me rappelle le score. 7-4 ou 5.
c'est bien ce qui m'inquiète. Il va y avoir... Finalement, on est pas mal pour le rugby, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essais. On arrive à compter, quoi. Vous voyez qu'on a plus de difficultés qu'il n'y paraît. Attends, il faudrait pas que... qu'ils font circuler avec Hank Till et Patrick. 7-5, c'est pas mal. On a le ballon, il va falloir tirer à un moment donné, parce que tu sais que tu peux pas faire... Tu peux pas t'amuser à te passer la balle tout le temps sans tirer. Et le frappe, il l'arrête. Ouh, il l'arrête, cette fois-ci. Aïe. C'est Thompson. Aïe, il va falloir faire attention. Oh, Jacques, ça y est, je m'emballe. Je m'emballe. Sortie, intervention des arbitres. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de coups francs, mais ça va quand même assez vite. Hein, ça, c'est-à-dire, ils échangent les cartes de visite. Je suis en train de me brouiller les yeux, là, je suis. Oui, monsieur. Oui. C'est du handball. Oui, messieurs. C'est parti, sur la gauche avec Gustafsson, Parkinson, Hutchinson. Oui, gonflé le gars. Bon tir, effectivement. Et finalement, ils reviennent à un but d'écart, alors que les Français en avaient quatre tout à l'heure, c'est d'avance, ça tu veux dire. Hein ? L'équipe de France. Allez, de l'avance. Qu'est-ce que j'ai dit ? Allez, de l'avance. Non, mais c'est ça, je décode un peu plus vite pour, hein, pour les petits et les grands, qui ne maîtrisent pas encore le grand français. Merci Jean-Louis de mettre le score en énorme. 7-6 avec on a fait rentrer le star français, le capitaine même du race, Jackson, et encore belle parade du portier suédois. Attention, celui-ci est en train de se mettre en chauffe. On dirait de Villiers un peu. Hein. Oui, mais oui, Jackson, Five Richardson, voilà. Il est bien placé. Clac, clic, boum, boum. Non ? Hein ? Non, parce que d'habitude, il fait clac, 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 boum. Ah, nous n'avons pas. Vous n'avez pas de nouveau message. What the hell's going on here? Ah, sur la droite avec Hank Till qui cherche maintenant Poulidor. Poulidor est pris, bloqué, coincé par la défense suédoise. Le monsieur se rattache le nez. C'est fou, hein, de jouer avec un nez attaché comme ça. Oui, Oh là là. Monsieur. Il y va pas complètement. Hein. C'est je suis personne, le joueur. Je crois que c'est lui. C'est une excellente formule, Jacques, je vous aime. Jackson 5. Jackson qui est... Non, le frappe avant, mauvaise balle française qu'il perd. D'accord. Jackie. Ce qui veut dire attention tout de même, parce que là maintenant, les Suédois ont repris leur, je dirais leur niveau, parce que le 4-0 du départ était un petit peu flatteur. Il faut se méfier. Qui veut des... Qui en veut? Lui, il en prend. C'est pas pareil. Faites-y, avec balle suédoise pour le Galliafon. C'est chaud, Jacques, championnat du monde, finale. Et expulsion du côté tricolore. Ah bon, 2 minutes. Ou expulsion, parce que c'est pas pareil. Hein. C'est 2 minutes. Parce qu'une expulsion, effectivement. Exclusion, donc. Tu ne rentres plus dans le. Oui, non, donc tu as droit à 3 exclusions, si tu veux. À moins qu'il y ait même du carton. Alors là, non, Tito, on ne connaît pas les règles. D'accord, il y a du carton, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'ils disent sur France 2 ? Manus Westlander, il joue évidemment en Allemagne. Je dis évidemment en Allemagne parce que le championnat allemand... On s'en fout, ça, la règle. ...ce qui se fait de mieux dans le monde du handball. Et c'est du ball. Oh. Pénal para Suède. Parce que maintenant, les Suédois commencent à combiner intelligemment avec des petites passes à l'intérieur, des grands effets. Jacques, oui. Ça se complique, les Suédois reviennent dans la partie, ils ont été pris à froid, si je puis dire. Ouais. Ce qui est assez étonnant pour les Suédois. C'est vrai, qui sont habitués à des températures. Mais les grosses machines qui tournent comme ça. Et puis, il faut aussi ajouter que c'est quand même une sacrée belle équipe. Déjà championne du monde. Ils savent vraiment jouer, ils ont des combinaisons que personne ne domine. Ils ont tout gagné, tout bouffé. Ils sont exceptionnels, ils sont magistraux. Et ils reviennent. J'ai peur. J'ai très peur. Il y a de l'ambiance dans le stade. Tain, je préfère, je vous coupe la radio, je vais écouter les autres, vous casser les couilles. Merci Jackie de nous soutenir. 7 à 7. 7 à 7, Anne Sinclair va rentrer, nous sommes dimanche, c'est l'heure. L'émission 7 sur 7. C'est 7 à 7 alors. La famille Sinclair. Oui, go. Non, go, oui. go. Ah, ils ont fait, bonne combination. 8 à 7. Hein ? 8 à 7. Ah, j'ai pas les moyens, moi aussi. Oh, jolie combination de la part de l'autre, et bout inscription des. Oui. Jusque-là, un chômeur. Il est là.
Charles Double Bietri. Qui veut engager Charles Double Bietri après avoir fait TF1, TV Bretz, Canal Plus, France 2? Où ira-t-il? Il cherche maintenant un travail. Qui doublera-t-il? Qui veut Bietri? Attention, attention. C'est mon portable, excusez-moi. Eh ben oui, mais réponds. Oh, réponds. Retour ici au Handball. Tu me filmes ça. Et c'est parti. Jacques, 7, 8-7 pour l'équipe de France. Ouais, Jackson, 7. Ballon pour les Suédois, hein. 8-7 pour l'équipe de France, ballon pour les Suédois, on a le cul à la main. Avec Bernard Lama, là, en gros plan. On vu sur autre chose. Hein. Comme il caresse, regarde-le. Tu vois pas qu'il essaie d'apprivoiser le ballon en le caressant comme ça, en le tripotant? C'est une publicité déjà, le ballon orange ou quoi? Se méfier avec la télé, hein, surtout France Télé, télévision. Toi tu vois la promotion partout. Hein. Oui, je suis allé partout, regarde. Qu'à regarder dans le terrain, oui. Arrête, salut. Jacques, déjà tu me fais faire ça et en plus maintenant tu t'intéresses aux poules plutôt qu'au ballon. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui, je bluffe. Arrêt. Là, beau bel arrêt. Alors quand l'arrêt récupère. Oui, arrêt. Il récupère. Oui, il n'y a pas de corner, hein. Sauf si c'est un défenseur qui dévie le ballon. S'il vous plaît. Et prise. Attention, s'il vous plaît. Oui. Manger du maïs. Oui, alors. Partout où on va, il faut bouffer. Mais goal! Ah non, il récupérera de Suédoise avec boum boum. Boum boum son. Boum boum son. Qui cherche Pam Pam Tson, qui met derrière Atten Tson. Et puis alors c'est tranquille, hein, pour Kukunsun. Oui, mais alors les Français avaient l'occasion deux fois de... Et finalement, ils bouillent ça derrière. Alors, bon, comment peut-on devenir champion du monde? Je peux pas les cheveux. Je préfère la quitter comme ça, me couper les cheveux. Non, c'est pas parfaite analyse. Parfaite analyse de ce qui s'est réellement passé sur cette dernière minute, ça va très vite. Oui. Les Suédois ont la balle. Oui. Vitelson. Oui. Vitelson, oh là là. Sale faute, là, quand même, oui. Sale faute, 2 minutes d'or pour un Français. Infériorité numérique, là, à ce niveau-là, ça devient très difficile. Mais toujours 8 à 7 pour les Français. 8 à 7 alors pour les Français. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas largués, finalement, ça nous maintient un petit peu dans le suspense. Tant mieux, parce que si tu savais, si j'ai pas autre chose à foutre que te commenter du handball un dimanche après-midi à 5h20. Ça va, le sport, il faut que ce soit accessible à tous, donc quand les gens ne travaillent pas, c'est normal. C'est un petit jingle, je le prends. Hein. Oui. Tu as toujours rêvé d'être un footballeur. Tu as toujours rêvé d'être marqué par le temps et les gens qui t'applaudissent au fond du stade. Mais merde. Pendant ce temps-là, l'équipe de France récupère un ballon échoué de l'attaque suédoise et contre. Ça c'est très bon, pas le jingle, mais oui, ça, c'est sûr. L'intervention. Foute-moi ce jingle en l'air, Jacques, d'ailleurs, parce que je pense. Cette fois, il est allé au fond. Ballon tricolore, c'est magnifique, c'est super, hein, Jean-Louis, les statistiques, mais là, je ne les vois plus. Hein. Je préfère te le dire immédiatement. Et la France mène, et la France a le ballon, 8-7. Oui, c'est oui, goal, goal, ça, moi, je ferai n'importe quoi. Mais tu fais n'importe quoi. Ah, ouais, salut. Dis donc, Jacques, qu'est-ce que c'est ça? C'est la deuxième fois. À droite, là, en blanc. Là. Comment ça? Ils sont encore là, hein? Police! On se déshabille. Yeah, ballon suédois. 9-7 pour l'équipe de France. Uh-huh. C'est bien, c'est très, très, ouais, très. Oh, ouais, mais là, il y a trou. Là, oui, oui, sûrement la meilleure émission de télévision en France actuellement, Striptease. Vous faites de la publicité, oui, pour autant. Oui, je oui, tiens oui. à m'arrêter tout de suite à dire que le reste, c'est de la merde. C'est du bon produit belge. Ah non, eux au moins ont dépénalisé, s'il te plaît. Des pénalités là? Il y a 9-8 pour l'équipe de France avec ballon à suivre. 9-8. Est-ce que Björn Borg regagne, cherche le cours et que le manager, oh là, il a été la chercher, je sais pas où, mais alors. Oui. Sweden, mate, France. Elle est blonde. Les Français avec le ballon, Jackson 5, 6. Poum, Patrick! Perdu ballon! Aïe aïe aïe. Ah. Ça, c'est quelqu'un qui veut qu'on arrête. Oui, ça doit être ça alors. Prenons le risque. Allô, vous êtes en direct dans la finale du championnat du monde de l'équipe de France. Allez, bonjour, 6 Français moyens à l'appareil.
Oui. Et c'est pour dire d'arrêter les conneries, parce que au foot ou au rugby, on boit une bière tous les essais ou tous les buts. Et là, c'est là, terrible. Au handball, ça commence à faire. Vous avez l'air encore en forme, hein. Il vous reste encore une petite mi-temps, mais effectivement, peut-être on s'arrêtera avant. Ok, merci, c'est cool, bonne continuation. Merci à toi. Il a pas tort. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont choisi leur camp. Oui, et vous, vous avez choisi votre camp, vous, c'est clair. Attention, Jacques. La France est pas mal. Arrive maintenant. Hop. Ah, un deuxième. Combien il y a, hein? Tu vois ce qu'il y a toi en haut là? La fuite, ça n'a pas bougé. Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas scandale. Oui. Oui, il y a un espion suédois dans l'équipe française. Vous le confirmez? Oui, c'est Jackson. Jackson. Effectivement. Ah. Et oui. D'origine suédoise, ça d'origine se voit. D'origine suédoise. Mais peut-être vous n'avez pas la télé, vous le savez avant. Ah, ben oui. Vous avez de la culture. Là, il faut le dire, là. Mais c'est vrai qu'il est d'origine suédoise, Jackson. C'est ça. Ah oui, ça se voit. Ah oui, non, mais c'est vrai, au départ. Ah bon? Oui, il est marié à une suédoise, Jackson Richardson. Donc, il a la nationalité suédoise. Mais par un concours de circonstances, il s'est retrouvé en France. Effectivement, il a pu... Mais c'est vrai. Bon, d'accord. Hein. Mais oui. On retourne à la Formule 1. Merci à toi, l'auditeur. Voilà, et continuez. Merci. En tout cas, il y a un but français. Oui. On s'éclate. Merci l'auditeur. Eh mais quand vous y connaissez rien dans un sport, vous fermez votre gueule un peu. Il y a bien une première fois, myfirst-tv.com, il y a bien une première fois, je veux dire, ça va quoi, on peut faire quelque chose quand même, c'est du handball, on découvre, c'est le premier match, merde. C'est du handball. Allez, vas-y, séduis ton auditeur, fais du handball. Bonsoir à toutes, c'est une super soirée ce soir qui nous attend avec Françoise, Jérémy, Jacques et Jean-Louis. Superbe soirée donc. Eh bien... Ils se font des passes en se tirant dessus, les Suédois, je pense que... Surtout, oui, mais ça fait deux poteaux qui prennent les Suédois, Jacques, et la France mène 10 à 8. Poteau. Poteau. 10 à 8 et le ballon à suivre. Pour les Français. Ils peuvent reprendre leur petit écart. Ouais. 10 à 8. Je vois pas qu'ils fassent champion du monde. Ils le méritent, hein. C'est une belle équipe. Et pour le prochain match du tournoi des 5 nations, on ferait mieux de faire jouer l'équipe de handball française. Ouais, ils jouent bien à la main, c'est vrai. Ouais. Eux, ils savent se passer le ballon. Block. Et c'est récupéré par les Français avec un peu de chance. Yes. C'est même très très bon, ça. Jackson 5, 6, 7. Oh là là. Uchimata d'un Suédois. Et là, oui, allez, hop. Vous aussi, jeune homme. Vous aussi, vous en prenez. La couleur du maillot, comme le carton. Yeah. Monsieur. Villander qui prend un ace. Qui te fort en maths. Hein. Un yellow ace. Ah, le hand, c'est plus rock, effectivement. Ah, il faut... Solo. Ah, il faut jouer. Jackson, qui la met sur la gauche à Intersport, qui remet à Locadeling. Jackson. Ouais, Jackson, non. On la lui redonne. Il va tirer, non, en feinte, redonne. Ils vont être dans l'obligation de tirer à un moment donné. Là, voilà, mais le perd le ballon. Non, ils obtiennent une faute, car ce serait stratégique. Il vaut mieux parfois obtenir une faute et repousser le prochain tir. Je vérifie ce que tu viens de dire. Jean-Louis, tu me repasses la cassette? Oui. De différence profonde ou goal. De profonde différence? Là, il y avait action. Action de jeu et là, goal. Là, il y avait action. La différence ou la profonde différence, Coco, tu te l'as, hein. Mais là, il y avait action. Et c'est pas fait. Feinte ici, feinte là, et là. Bloom. 18. Tu comprends? Un petit peu. Allez. Je comprends un petit peu. Alors, 18 ou... 11, oui, d'imbécile. Je retiens 9. Ah bon? 11-9. Pour l'équipe de France. Ensuite. On suit, hein. On suit. Bon. Moi oui, oh. Avant d'accepter, allez, je vais... C'est parti, avec Vitelson. Intersport. Et non, pas Golson. Si. Ah si, Golson. Golson. Et lui, non, lui joue au rugby, lui par contre. C'est un talonneur du pays de Galles. Il joue en frange. Il est plus petit tout de même. Ah oui, il est bien, il est plus petit. Donc la non-abrogation des lois Pasqua de Bré, ça ne viole pas. Oui. Conviction. Absolument. Le handball, c'est quand même plus politisé, Jacques. Hein. Ouais. Il faut le dire. Hein. D'accord. Il n'y a pas encore les intérêts financiers et commerciaux qui existent dans les autres sports. On écoute. 93, si j'en crois le canard enchaîné, vous disiez, l'idée de rentrer dans un gouvernement RPR-UDF ne me choque pas. Vous comprenez que c'est quand même une sacrée différence. Hein. Et on discute de ça dans les tribunes, hein, dans les travées. Ouais, énormément. Hein, on s'échange le journal. Voilà. On chante philosophie, philosophie et politique, éducation. Deuxième, parce que dans le même article du Canard, ils disent que le présidentiel de 95, vous disiez que le projet de gouvernement de Jospin était...
Ici Bercy. Oui. Beaucoup. Beaucoup à vous, les studios. Le drame était latent. Il était là, tapis, présent. Qu'allait-il advenir ? Sportage ! Ouais, il fait peur. Vive la comédie ! 5 secondes, hein, les gars. Ouais, ouais, pas plus. Pas plus, 5 secondes avant de foutre le camp des studios. J'appelle les vigiles. Les Français ont la balle, Jack and Till. Jack and Jill qui donne à Johnson McEnlow. Pour Raymond Poulidor. Wow, grosse patate, oui. Mais intervention du portier magnifique. Jackson sort. Hein ? Il est sorti. Jack sort alors. Voilà, avec. Sort, Richard. Il s'appelle Richardson aussi quand même. Hein. Vitalson. Ouais, Vitalson. Ouh là là, mais il est speedé lui. Il est speedé. Et les Suédois là-bas, ils ont toujours, me semble-t-il, 2 points. Ouais, putain, on y voit. Et Jacques, il faut faire quelque chose pour la télé, sérieux. Faut faire un truc pour la télé maintenant, on n'y voit rien. Faut doper l'écran. À quoi ça tourne une télé ? C'est-à-dire les droits lycéens, oui. la citoyenneté lycéenne. Parfaitement. Oui, reprenons. Non, c'est bon, je kiffe. Ça joue. Regarde, les Suédois, un bon tir, un bon compte en français. Reprenons les études. Et alors ? Jolie parade du portier français. Et donc, on peut. Regarde, il fait semblant, il s'arrête, il est bousculé. Il garde la balle. Non, ils font un hockey sur place, là. Why not ? Il mène. Jean-Louis, en gros, voilà, ça c'est bon. Ouais, 11-9, c'est bien ça pour la France, je crois, hein, c'est ça. Oui, c'est bien. 2 points d'écart, ballon. Ça veut dire peut-être 3 points d'écart à quelques instants de la mi-temps. Jacques, c'est. Combien il reste 3 minutes. Oh, belle parade, et l'arbitre intervient. Est-ce qu'il y aura pénal ? Non. Pas pénal ? Vous êtes chez vous, vous êtes tous, tout le monde. Oui, non, l'arbitre, monsieur Bourges, hein, qui arbitre là-bas, vous avez vu ? On le voit partout. Ouais, là, il y a rien. S'il y a rien là, t'as raison, Gogo. S'il y a rien là, voilà, j'aurais de grandes boules. Je me présente, je suis Marie Virgon du lycée Fernand Daguin de Mérignac. Bonsoir. Et je voulais demander à monsieur Allègre si structures qu'il a mises en place, les nouveaux profs qu'il a nommés, vont être systématiques et définitives, parce qu'on nous a annoncé des emplois faites jeunes vite, hein. Pour animer la vie lycéenne. Or, les emplois jeunes, c'est des contrats à durée déterminée, faites donc vite, dans 5 ans, les emplois jeunes, on n'entend plus parler. Monsieur Allègre, répondez à cette question. Faux papiers, faux test d'ADN, faut y aller. Ah oui, ben déjà, on y va. Allez avec les parades, une fois de plus. Parades, ouais. Mais le ballon revient au tricolore, tant mieux. Au tricolore, il y a du tricolore partout. Les uns jouent en blanc, les autres jouent en bleu. Chacun choisit sa couleur. Hein, bon, il y a bien un petit match encore. Après, il n'y a pas une finale quelque part. Il n'y a pas du badminton ou le mondial de pétanque à Marseille. Et pas goal, pas goal. Ah non, mais là, on est trop gourmand, on va la reprendre. Non, il a mis le pied avant en zone et finalement, ça repart. Puis dans la piscine, c'est pas bon, les Suédois qui font ce qu'ils peuvent avec des chocs. Jean-Louis, tu me fais mal, tu vas me faire. Jean-Louis. C'est redoutable. C'est la dernière fois que je fais du handball. Oui, ça nous frise. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu haché. Et attention. Notez bien, 11-9. 11-9. C'est ça ou... Oui. Je pense d'abord parce que nous avons la discussion. Il se trouve que la discussion de notre budget... On est coupé, effectivement, avec les Suédois qui ont le ballon. Ils ont toujours les 2 points d'écart. Sans céder, la France mène. Ouh, le frappe et le parade du portier Yaman. Great parade again. Immense parade, un instant particulièrement crucial. Jackson. Il ne pourra pas, et lui le donne quand même, et là c'est lourd. Oh non, all parade, parade. Ici, yeah. Vive les goals du handball. D'accord, un goal.
C'est du handball pour l'instant, effectivement. Ça va de goal en goal. Les exploits viennent des portiers. Votre attention, s'il vous plaît, votre gardien, s'il vous plaît. Oui. L'ogive nucléaire attend ses parents portés. Boum. Ça fait peur. Ça fait peur. Ils ont perdu le ballon. Maladresse suédoise à ce niveau-là, c'est incroyable. Et la France mène toujours. La France va-t-elle élire la bien d'Ibar 11-9. 11-9. Jamais, non, jamais, la France n'a été si proche d'être championne du monde. Non, c'est pas pour une réponse, non. Si, et là, j'ai encore un petit Français qui passe, qui tente de passer, non. Cette fois-ci, il n'ira pas. Il faut pas quand même, le jour plus, il devrait pas partir à un moment ou l'autre. Mais si, là, bien sûr. Merci. Ah, merci. Oh, ils ont pris des chocs, les gars. Mais ils y croient encore, tous les Français. Manque-t-il ? Ce que j'ai présenté à la... L'homme masqué sonne. On a vu un gros plan avec les petits Français qui font tourner le ballon. Il se passe le ballon. La balle est récupérée par les Suédois, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans ce studio, c'est incroyable. Nous sentons le but. Oui, là, c'est le but suédois, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon allez, ils reviennent à un point, 11-10. Mais la France mène et la France aura toujours le ballon derrière. Et c'est là qu'il faut qu'ils en profitent, car il ne reste pas grand-chose à jouer dans cette première mi-temps. Je n'entends plus. On se dit ce que c'est possible. Pour les Français qui prennent le ballon tranquille, qui font tourner, on calme le jeu, on sent bien qu'il faut ne pas emballer cette partie. Il reste 30 secondes, il faut inscrire le dernier pour rentrer avec un bon... Tu vois ce que je veux dire, en marquant un dernier but, tu rentres avec une espèce d'euphorie en toi, avec quelque chose qui te... Il faut marquer, messieurs, 20 secondes... Chevaux. Oui. Blum. 15 secondes et le frappe sur le poteau. Qui récupère? Mais non, pas lui, il peut pas le récupérer, il joue pas dans le jeu, Jean-Louis. Non, mais tu déconnes, hein. L'entraîneur non plus ne joue pas sur le terrain au handball, c'est comme les autres sports collectifs, quoi. Arrête ta putain de musique, merde! Jean-Louis, dis donc, Jean-Louis, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas parce que c'est. Hein? Jean-Louis, arrête, hein. Et la frappe, parade, ring, parade! Et là, c'est le goal, suédois! Voilà, égalisation. Il l'accorde. Est-ce que ça a sifflé avant? Nous, on n'a pas le son, hein, excusez-nous, mais parce qu'on n'a pas les moyens de se payer. Il l'accorde. La corde a cédé, les gars. Il m'a resté 5 balles. Que dit monsieur Bourpif, qui est l'arbitre de ce match de handball? Nous voulons des programmes qui soient plus centrés. Là, regarde le temps. Le temps, 59. Il a tiré avant que ce soit 20, c'est goal. Ouais, vidéo assistance handball donc. C'est goal. Non. Ah putain, c'est là. C'est le four, Jacques, c'est la quiche Lorraine. La quiche. Il faut sortir la quiche du four. Allez. Jean-Louis, affiche-nous le score réel. C'est la mi-temps, mais Jean-Louis, le score réel, s'il te plaît. Non, c'est pas ça, Jean-Louis. Là, tu m'envoies du bordel, Jean-Louis. Jean-Louis, j'en prends plein les feuilles. Arrête, Jean-Louis, le score réel. Passez-moi France 2. Ah, passez-moi France 2, s'il vous plaît. Eux, ils sont sérieux. Oh non, merde. Il n'y a plus personne. C'est à la mi-temps. On est resté sur l'égalité? J'en sais rien, je suis inquiet. Je vais me renseigner. Ça le fait de
match tardivé. Du rugby, du handball. Et toujours de la patinoire. À gagner. Au 05-61. 21-64-05. Si tu veux faire ton premier patin avec ta copine ou ton copain. Appel. L'appel, c'est un peu le patin. Entretien réalisé par Eric Berg avec Richardson au moment où le capitaine de l'équipe de France. Où il est ? René, on te reçoit mal, hein. On te reçoit très mal. René, on te reçoit plus. He's looking at you, kid. Si on y regarde bien, aujourd'hui, c'est jeu de main. La France à la Suède. Nous sommes en finale du championnat du monde. Mais finalement, ça nous merde. Mais aussi une meilleure lisibilité de l'organisme qui fait la régulation des télécoms. Et enfin, l'accès de tous aux nouvelles technologies. L'excellent, oui. Une ouverture du capital a été prévue, et c'est que vous visez, monsieur le député. Vas-y. Elle a été prévue pour permettre à l'entreprise de garder son rang. Vous savez que France Télécom est aujourd'hui le quatrième opérateur mondial. Le monde concurrentiel, qui est celui des télécoms, il est apparu qu'il fallait que des alliances puissent être nouées. Bien sûr. Notamment avec le partenaire privilégié de France Télécom, qui est, comme vous le savez, Deutsche Telekom. De ce point de vue, la nécessité de nouer ces alliances, faire notamment sous une forme d'échange de participation, a conduit à une décision qui a été prise par le gouvernement dans son ensemble et qui est de mettre sur le marché 20% du capital de France Télécom. Combien il a dit ? 20%. De l'ancienne majorité, quelqu'un que vous avez choisi comme porte-parole aujourd'hui, rentre chez toi maintenant, il est tard.
Mais pour autant, il faut que ce soit une entreprise qui vive. Ouais, il faut que tu arrêtes de parler, tu fais tout tomber. J'ai les mots choc. On s'est renseigné sur la durée de la mi-temps. Jean-Louis, tu nous affiches la durée de la mi-temps. Je crois qu'ils reprennent demain matin. Combien il reste? De mi-temps, il reste une nuit. Ils reprennent demain matin à 7h. Ça va être assez dur. Merci. Décision. Cette décision a été bien comprise, je crois, de la population.